Salut tout le monde! J'étais un petit peu avant hein, parce que ce soir je suis tout énervée. J'ai eu ma précommande aujourd'hui. Oh, je capote. Ça veut dire que j'ai eu des articles du nouveau catalogue. J'ai eu ma précommande. Nous autres, les démonstratrices, on a cette chance-là. On peut commander en avance. Pour les clientes, c'est à partir du 6 septembre. Nous autres, depuis la semaine passée qu'on peut. Je suis tellement contente. Semaine passée, ouais, c'est ça. Fait que je vais vous laisser le temps d'arriver. Bonjour Diane, bonjour Maryse, ça va bien? Je suis un petit peu d'avance parce que je veux vous montrer ce que j'ai eu dans ma précommande. Je suis toute énervée, je suis tellement contente. J'ai l'air d'être. On dirait que le Père Noël est passé aujourd'hui. C'est fou. Depuis vendredi, je l'attends en plus. Fait que je vais tourner ça. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lise Labelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up! Depuis 2019. J'ai une grande, grande passion de scrapbooking. J'adore faire des cartes. Au début, j'ai commencé avec des pages. J'ai délaissé un peu les pages, mais j'ai l'idée de revenir avec ça, là, parce que j'aime vraiment ça, faire des pages aussi. Ça va, Maryse, oui. Alors, je vais installer la caméra. Puis, je vais vous montrer ça. Ma précommande. Là, aujourd'hui, vous voyez, parce qu'on va couper une feuille 6 par 6, puis on va vous faire 4 cartes avec ça. C'est ça qu'on fait ce soir. OK? On va travailler avec le jeu Enchanted Butterfly. Hey, je m'excuse, hein, je massacre ça l'anglais, moi. C'est pas trop long. On travaille avec ce beau jeu des temples. Il est à la page 109 du catalogue annuel. OK? Je l'adore. Moi, quand je l'ai vu, je dis, oh, c'est sûr que je le commande. Il est vraiment beau. Là. Les étampes sont vraiment grosses. Là. Juste à lire ça, comment c'est gros. Il est énorme. Là. Il est vraiment gros. Je m'en ai pas encore servi de salut. Alors, on va faire ça ce soir. Mais avant, salut Mélanie! Avant, je veux vous montrer mes nouveautés. On va travailler avec ce papier-là ce soir. Je vais vous montrer ça après. Comme je vous dis, moi, j'ai eu mon nouveau catalogue. Je suis tellement contente. Je l'ai eu vendredi. Ouais, je l'ai eu vendredi. Là, je ne peux pas l'ouvrir. Pas avant le 6 septembre que nous autres, les démos, on peut l'ouvrir. Salut, France! Alors, je vais commencer avec. J'ai eu plein d'affaires. J'ai eu Ours Mignon. C'est un beau jeu d'étampes de Noël avec des nounours. Il y a la perfo qui vient avec, mais moi, je ne l'ai pas commandé, la perfo. Bon, je me suis sorti un petit carton noir pour vous montrer. La perfo, je ne l'ai pas commandé parce que je me suis dit que... Non, c'est blanc, ça prend rien. En tout cas, c'est ça ici. Parce que je me suis dit que je vais être capable de découper ça à la main. S'il y a de quoi, mais je la commanderai après. C'est tout. J'ai commandé ce beau jeu des temples aussi. Regardez ça, comment c'est beau. Il est gros. Quand même, hein? J'aime ça, c'est en deux étapes, tu sais, qu'on vient à l'envers. C'est avec ça aussi que je travaille à soir. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai commandé ça. J'ai commandé les... Comment est-ce que ça s'appelle? C'est qu'un pailleté autocollant. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il a été, comme Maryse disait, dans du papier spécialité, pailleté. On dirait qu'ils ont fait comme un petit punch dans du papier pailleté. Puis, en tout cas, ils sont vraiment beaux. Là. Ils sont vraiment beaux. Très beaux. Ça va avec la collection des nounours. Les couleurs là-dedans, elles ne sont pas marquées là. En tout cas, c'est des super belles couleurs, vert, blanc, bleu, là. Très belles couleurs. J'ai commandé des plioirs à gaufrage, motif amusant. On a du fun avec ça, regardez ça. C'est beau, hein?
Hey, bonjour Francine, bonjour Véronique, Madame Véro, bonjour. Une petite nouvelle ce soir. C'est fun. Ça ici. Commandez celui-là. Ça vient ensemble, ces deux-là. OK? C'est les plioirs à gaufrage motif amusant. J'ai commandé celui-là aussi, plioir à gaufrage 3D ciel enneigé. Il est vraiment beau, là. On va mettre le noir dedans, vous allez voir plus. Regardez. Il est vraiment beau. On a des gros flocons, des petits flocons. On a une tombée de neige. C'est beau, hein? Il y en a-tu qui l'ont? Que vous êtes là. J'essaie de me reconnecter avec mon cellulaire. Est-ce que vous me voyez là? Là, vous me voyez moi, mais mon cellulaire, c'est lui qui a buggé. Je comprends pas pourquoi que ça n'a pas marché. Je suis là, mais je suis tout seul. Mon cell, il marche plus. J'essaie de connecter mon cellulaire. Bon, je suis désolée, ça sera pas long. Des petits problèmes techniques. Non, ça marche pas. Attendez, je suis désolée, là. Ça ne sera pas bien ben long. Faut juste que j'ajuste. Bon, là, je suis de retour, mais mon cell marche toujours pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, si je vois sur Facebook, ça va faire pareil. Ben oui, on est rendu à 10. Ben oui, ça marche pas. Fait exprès. Bon, OK. Paramètres. Ce sera pas long, les filles, je me dépêche. C'est 2.0, je pense. Ben, je suis désolée, hein. C'est la première fois que ça me fait ça. OK. Bon. Donc là, je fais ça comme ça. Je mets du bon sens, comme ça. OK. Là, faut que je fasse accéder au studio.
Hey, désolée, je suis nerveuse, là. OK. Accéder au studio. Bon, comme ça. Bon, OK. Allô, Lynn. Salut, Ginette. Bon, est-ce que vous voyez, là? Ma connexion est très instable ce soir. Ça va pas bien. Bon, fait qu'on continue. Les plioirs, j'étais rendu les pochoirs, j'étais rendu là. J'ai eu ceux-là. C'est un beau pied de poule. Super beau. Ça ici, c'est des belles feuilles. Si on y voit avec les brosses stomp, là, ça va super bien aller. Des beaux flocons. Voyez-vous bien, les filles? Tout est correct? Je suis comme bien stressée, là. C'est la première fois que ça me fait ça. Tout est beau. OK. Puis ça ici, regardez. Regardez ça, c'est beau. On fait ça. De toute façon, on met ça. On fait les feuilles. En tout cas, comme ça. Ça, c'est le dedans. Dedans des fleurs. On fait le dedans des fleurs. Puis ça, l'intérieur de l'intérieur pour faire plus de... Bon, j'espère que ça refait pas ça encore. Connexion. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Ça, vous allez me voir souvent travailler avec. Vous n'avez pas fini de voir. Oh, check ça, je capote! Des cercles ébarbés. C'est malade. Poinçon, cercle et barbé. On a les rectangles. Là, on est rendu avec les cercles. C'est sûr que vous allez me voir souvent travailler avec ça. Ça me semble que je suis comme bouh. J'ai peur que ça recoupe. Ouais, je le sais, Mélanie. C'est de valeur. Hein? Parce que Mélanie, elle se marie le 2 septembre, puis elle travaille avec les tournesols. Puis là, elle dit c'est de valeur, c'est sorti après. Là. Ça ici, c'est papier de la série design spécialité magie de flocons. Regardez ça comme c'est beau. Ça relie, ça brille. La couleur, c'est le lagon lointain. Le blanc. Et un autre lagon lointain. C'est beau, hein? Ça, j'ai celui-là ici. Ça, c'est... spécialité brillant de mille feux. Les autres aussi sont vraiment beaux. Ceux-là, il y a une feuille de chaque. Comme ça. Ça, c'est très vanille. C'est bleu nuit puis très vanille. Il y a une feuille de chaque. Okay. J'ai eu ceux-là ici. Ils sont tellement beaux. C'est prairie hivernale. Ça, c'est vraiment beau. Tu coupes ça ici, là, tu peux faire 6 belles cartes avec ça. Tellement beau. Des beaux papiers. C'est sûr, là, vous allez me voir faire des lives avec ça. C'est sûr et certain. Là, je les passe vite parce que je sais qu'il y a bien des filles qu'elles ont montré. Là. Des beaux sapins. Voilà. Il me reste juste une affaire. Là, je vais tout mettre ça là. Ah, le bordel. Pas grave, me ramasser. C'est pas grave. Ceux-là sont wow. C'est douce nuit. Douce nuit. Oh, douce nuit. Ils sont vraiment beaux. Malade, là. Ceux qui font des pages de par 12. C'est malade. C'est un beau. C'est beau, hein? Voilà. Après ça, on va faire les cartes. J'en ai 4 à faire avec vous autres ce soir. Voilà. Comme ça. Ah oui, puis j'ai mes rubans. Après ça, c'est fini, là. Regardez. Bleu nuit. Avec du or dedans. Il est magnifique. C'est vraiment beau. Enlever ça, hein? Ça fait du très bien. Celle-là ici, ça va être la collection de l'automne. J'ai pas commandé le kit d'automne.
Je me suis même surpris de ne pas l'avoir commandé. Il est vraiment beau, ce ruban-là. Je peux voir avec lui ici. Il est très, très beau. Il est grand un peu pour mettre sur des pages, des cartes, mais on va trouver de quoi faire avec ça. Sur le sac. Bon! C'était ma petite précommande. Je n'ai pas commandé grand-chose parce que je n'ai pas un gros budget. Hein? On n'est pas tout riche. Alors, j'ai décidé de prendre ce papier à motif-là aujourd'hui. OK? C'est celui. Comment il s'appelle déjà? C'est Botanique Ancré. Il est à page 131 du catalogue annuel. OK? C'est ce beau papier des Indes. Il est vraiment beau. Je l'adore. C'est du 6 par 6. OK. Je le passe vite parce que je le sais, il y en a beaucoup qui l'ont vu. Merci Véronique. Oui, une belle commande. Je vais m'amuser avec ça. Je vais m'amuser. Il faut que je participe à un swap. Fait que je vais faire mes cartes de swap. Avec l'équipe André, la scrabouqueuse passionnée. Alors, la manière que je le coupe, ce papier-là, comme ça, on y va. Moi, je fais ma bande de 1 et 3 quarts par 5,5. OK? Donc, je commence par 1 et 3 quarts par 5,5, levé à l'envers. Comme ça. Par 5,5. OK. Regardez, il va y avoir juste ce petit morceau-là que je n'utiliserai pas. Ça, je vais faire une carte avec ça. Après ça, là, il me reste 4 écarts. OK? Donc là, ici, j'ai 4 écarts par 2. On y va avec le 2. Une autre carte avec ça. OK. Puis ici, il me reste 4 par 4. Que je vais enlever là encore 4 par 4. Et voilà. Puis lui, ben, je viens le couper en deux. En diagonale, comme ça. Coin là, coin là. OK? Oups, ma lame, il faut que je la change. Là. Je vais partir de là. Hein, pour être sûr de ne pas scraper mon papier. Et voilà, comme ça. J'ai coupé mon papier design. Regardez, celui-là, c'est 4 par 4 ici. OK. Ça, c'est mon 4 écarts par 2. Puis mon 1 et 3 quarts par 5,5. OK. Voilà. Je vais vous montrer les cartes que j'ai faites. J'ai celle-là ici. OK. Celle-là ici. J'ai celle-là. Puis j'ai ça là. Fait qu'on va faire ces cartes-là ce soir. Je les ai faites avec l'enveloppe. Puis j'ai fait l'intérieur. Fait que je vais vous les montrer une après l'autre. OK? Mais à ce soir, mon papier, c'est du vanille qu'il y a dedans. OK? Fait que j'ai décidé de prendre du vanille. Fait que là, j'ai tout coupé mes morceaux. Donc on va tout mettre ça de côté. Je vais mettre ça en avant de moi. Comme ça. Et voilà. Je vais commencer avec celle-là ici. Mais j'ai décidé de le faire dans Carimoulu pour faire changement. OK? Est-ce que vous les trouvez belles, les cartes? Puis mon inspiration, c'est une américaine, c'est Debbie Anderson sur Pinterest. J'ai pris mon idée d'elle. OK? Là. Ça, c'est mes deux plus longs. Celui-là ici. Bon. Fait que c'est ce petit morceau-là ici. Ouais, il faut que je le fasse de même parce que là, il y a un sens à mon papier. Mon autre papier, il n'y avait pas de sens. Il va falloir que je fasse attention à ça. Fait que ça, je vais le mettre là-dessus. OK. Je vais sortir. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, on travaille avec cette kit de template. OK. Fait que je pense que je vais commencer avec mon estampage. Ça va aller mieux. OK. Fait que celle-là, il faut que je la fasse de ce sens-là.
Fait que je me suis coupé un morceau lagon lointain. Un morceau très vanille. OK. Puis je vais aller prendre ce papillon-là ici. OK. Fait que je prends ce papillon-là. Comme ça. Avec mon petit rond. OK. On va prendre le papillon. Il est en lagon lointain. OK. Voilà, on est combien ce soir? On est trois. C'est sûr qu'avec mon histoire au début, là, hein? Il y en a beaucoup qui ont parti. Moi, j'ai bien de la misère avec mes encres, OK? C'est très, très, très humide ici. Fait que je prends un doigt éponge, OK? Puis je vais tapoter mon étampe. Parce que c'est vraiment pas beau sinon. Là, je dépasse de mon étang. OK? Voilà. Puis le vœu, je l'ai pris dans bouquet de cœur. Puis j'ai pris pour toi. Parce que ça me prend un petit vœu. Parce que je veux le mettre dessus. OK? Et que ça me prend vraiment un petit vœu pour toi. Ça, c'est pareil. Je vois comme ça. Puis j'y vais en bas ici, comme ça, pour toi. Et voilà. Là, je pense que je vais tout aller faire tout de suite, parce qu'elles sont vraiment toutes pareilles. Fait que tout se peint. Tant qu'à avoir mon encre de sortie, je vais toutes les faire. J'en ai quatre à faire, OK? Faire ça vite. Est-ce qu'il y en a qui font ça souvent, couper des papiers design comme ça, puis faire des belles cartes? C'est fou comme est-ce que c'est humide et malade. Voilà, un autre de fait. Il y a deux autres à faire. Y a-tu qui aime ça faire ça? Couper des papiers design, faire des belles cartes. Je trouve que c'est facile et ça fait une belle quantité de belles cartes. Comme ça. Regardez ça comme. Je ne sais pas si vous le voyez comment. Regardez que les bulles que ça fait. Puis qu'un coup, j'ai passé mon doigt éponge là. C'est pas mal moins pire. Regardez. C'est moins pire. Le voyez-vous? Il y en a encore un peu là, mais. Pas mal moins pire. Et voilà. Comme ça. N'as-tu qui ont reçu le précommande aujourd'hui? Je ne suis pas tout seul, j'espère qu'il l'a eu. Comme ça. Demain, toi-là? Diane, tu dis que tu en as fait, mais que tu as eu un petit regret après. J'ai toujours peur de couper ma papillon. On est toutes demain quand on commence. Il est trop beau le papier, on ne veut pas le couper. Moi, je le sais, je t'aime aussi. Je climerais juste une affaire à faire. Là, je vais juste nettoyer ça. Parce que. Mon frère, c'est le bas, je me connais. J'ai tout mon stock. Ça attend, c'est le bordel. Hey, les filles, je m'en ai commandé un autre, OK? Je sais qu'il y en a qui trouvaient qu'il était sale, mais je le lave. Il est juste bien, bien taché. Mais je m'en ai commandé un autre. Je vais l'avoir. Fait que là, ce que j'ai pu faire, j'ai pris. Voyons. Carimoulu. J'ai pris les temples, les ronds. Ceux-là. OK. Puis j'ai été d'en faire dans le milieu de chaque papillon. Je trouve ça beau.
Tiens, ça fait ça. Et voilà. On va vous montrer de proche ce que ça fait. Voilà. C'est tout beurré déjà. Regardez ce que ça fait. Regardez. C'est beau, hein? J'aurais peut-être dû le faire en deuxième, mais c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Bon, le stampage est fait. Il va rester celle-là ici à faire. Et je vais juste me prendre. Je suis déjà beurrée. Ça sera pas long. Bon. Je suis déjà beurrée. Bon, OK. Là, on va y aller avec la colle. La colle. Là, celle-là, je ne pourrais pas faire la même, je vais la faire de même à cause du sens de mon papier. Ça, regardez toujours ça, c'est très important. Hein? Toujours, toujours regarder le sens du papier. Là, je mets juste un petit peu de colle dans le milieu. Je prends mon tapis. Puis, je vais mettre comme ça. Tiens. Faut que ça fasse ça. Déjà, j'en ai mis trop épais. Regarde, on va le coller sur la carte. C'est pas bien grave, là. C'est bien. Donc là, on va coller ça sur la carte. Comme ça. On va la coller direct en haut. On ne laisse pas de jour. Égal. C'est 4 écarts, celui-là. OK. Voilà. 4 écarts par 2, celui-là. Là, on va aller coller notre petit papillon sur un lagon lointain. Je ne ferai peut-être pas les quatre. Hein. C'est pas mal tout pareil au même. Comme ça. Ça fait vraiment beau avec les petits points. Ouais, avec les petits points longs au centre. Oui, c'est beau. J'aime ça. On va essayer de hurler vos commentaires. Merci les filles de me dire qu'ils sont belles, mes quatre. Tu ne penses pas encore à travailler en série, Véronique? Oui. Parce que quand on a beaucoup de cartes à faire, c'est super facile, les séries. Là. C'est pas pratique. C'est ça que je veux dire, pratique. Cool. Toi, Ginette, as-tu eu ta commande? Tu étais supposé avoir une commande aujourd'hui? Tu l'as-tu eu? Là, on regarde où ce qu'on va mettre notre élément central. Moi, je vais le virer de bord parce que je vais aller comme étamper deux feuilles qui vont sortir du cadre, OK? Puis ça, je le fais avec comme ça. Je le fais avec Corail Calypso. C'est une couleur qu'il y a dans le papier, OK? Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, c'est de la même façon pour toutes les cartes. C'est juste le sens du papier, puis hein, comme ça. Là, ici, je vais te mettre ça là. OK. Parce qu'il y en a que j'ai fait avec une boucle. OK. Il y en a d'autres que j'ai mis, un petit peu, que j'ai mis des rubans comme ça. OK. Parce que ou ce que ça donne pas, sur, comme celle-là ici, je mettrai une boucle. OK? Je n'irai pas mettre mon ruban dessus mes feuilles pour les cacher, tu sais. Malgré que ça fait beau pareil, là, mais j'irai plus avec une boucle, celle-là. OK? Là, je vais me sortir des points de mousse, des nœuds. OK? Celle-là, vu que je ne mets pas de ruban en dessous, je vais aller la coller tout de suite. Sur un cercle, j'en mets juste trois des points de mousse, OK? Tu as la collection Noël polaire? Cool. Tu l'as-tu eu aujourd'hui? Moi, j'ai les étampes, là, je l'ai montré tantôt. Là. Le papier, ben, je l'avais commandé avec ma soeur. Toi, Francine, as-tu eu une commande aujourd'hui? Ah non, toi, c'est 17, hein? C'est vrai. Et voilà. Puis le ruban que j'ai pris, c'est celui-là ici. C'est ruban, comment il s'appelle? C'est le lagon lointain.
C'est ruban bordé qu'il appelle. OK? Fait que j'ai fait une boucle. Je vais y aller vite fait. Il va super bien pour faire des boucles, ce ruban-là. OK? Là, c'est mes petites oreilles de lapin. Toujours, toujours. Comme ça, je m'en viens pas pire faire mes boucles, les filles. Elles sont trop grosses. Comme ça, grosse un petit peu. Oui, comme ça. C'est sûr que des fois, je travaille. Je la. Pas je la gosse, là, mais en tout cas. Vous savez ce que je veux dire? Merci, Ginette, tes films. Je vais prendre mes ciseaux de couture que je garde exprès prêt pour mes rubans. Hein? Puis ça, je vais toujours le coller avec un point de colle. OK. Puis je vais chercher comme ça. Bon, je la mets où? Je la mets-tu ici? Non. Je pense que je vais en mettre ici. Comme ça. Mais je veux pas qu'elle cache mon vœu. On va mettre. Où c'est que vous la mettriez, fille? Comme ça, c'est beau? Non, c'est pas beau. En dessous aussi? En dessous du vœu? Ouais. En dessous du vœu. On va mettre un peu plus bas pour pas cacher mon vœu. Tiens. C'est beau de même? Es-tu correct de même? Ah! Voilà. Puis mes petits bling-bling. Vous savez comment est-ce que je les aime, ceux-là? Cristal du Rhin irisé. OK. Je vais mettre ceux-là. Que je vais en mettre. Ici. Il y en a des petits. Je vais en mettre un petit ici. J'ai les aime les gros. On va en mettre un autre gros ici. Hein? Comme ça. Et de une. Comme ça. Bon, y a-t-il une qui ressemble à celle-là? Non? Non? OK. En tout cas, c'était supposé être une comme ça. Mais, à cause du sang du papier, j'ai pas pu la faire. Fait que, c'est pas pareil. C'est différent. Quelle couleur vous aimez mieux? Carrie moulu ou pétale rose? Dans quelle couleur vous l'aimez mieux? Ça, c'est carrie moulu. Pétale rose. Elle est belle. Ouais. OK. Celle-là ici. Pétale rose, carré moulu. Parfait, ça. Moi aussi. Je pense que je préfère pétale rose. Mais les deux sont belles. Les deux sont très belles. Hey, c'est le bordel. C'est le bordel. Bon, fait qu'on va y aller, celle-là, le sens est comme ça. Fait qu'on va y aller comme ça. Ça se fait que pour passer c'est à cause de ma bande. Oui, je colle ma bande. C'est ça. OK. On va aller mettre un petit peu de colle ici. Comme ça. OK. On va y aller de même. Comme ça. De même. OK. Vous comprenez le principe à peu près? Les deux sont belles. Ouais, merci, Lynn. T'es fine. T'es fine. Fait que là, on va coller ça sur la carte après. OK? Après ça, on vient couper ce qui dépasse. Comme ça. Regardez. Excusez, j'étais hors chaîne. On va coller ça sur la carte, puis on découpe après. OK? Ça va aller mieux comme ça. Comme ça, on va être sûr qu'il va y avoir du papier partout où ce qu'il faut qu'il y en ait. Comme ça. OK. On va aller mettre ça. Comme ça ici. Juste égal, égal, égal avec la carte. OK. Comme ça. Voilà. Allô. Ah oui, ça sera pas pareil. C'est pas grave. Pas grave. Ouais. Ouais. Comme ça. Après, on rouvre la carte.
On va couper ce qui dépasse. Ici. Puis ici. On découpe. Regardez. Ça fait super beau. Ici, on fait juste couper comme ça. Et voilà. C'est beau, hein? Bien. On va ramasser ça. Là, c'est pareil. On va aller étamper. On va aller coller ça. Ça ici. Puis on va aller étamper nos... Je pense que j'aurais pas besoin de faire les deux autres avec vous autres. Vous allez comprendre. On va continuer à les faire pareil. Mais vous comprenez comment est-ce qu'il faut les faire. À moins que vous voulez que je les fasse avec vous autres pareil. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Parce que j'ai pris du temps au début pour montrer mes affaires. Ça fait 35 minutes que je suis là déjà. Comme ça. Fait que là, on prend les tempes. Puis on regarde. Ouais, comme ça, puis comme ça. Ouais. OK. On va faire Corail Calypso. OK, comme ça. Donc, comme ça ici. Les deux sont des films. Si vous me regardez en replay, s'il vous plaît, faites-moi un petit coucou. Je vais aller vous répondre à vos commentaires, c'est sûr, sûr, sûr. Et je vais laisser là, je vais avoir besoin encore pour mes deux autres cartes. Voilà. Ça, on va aller mettre des points de mousse là-dessus. Mais, celle-là, je vais aller mettre mon petit ruban en dessous. Ça fait que je prends pas grand-chose. Je le plie en deux, là. Je prends vraiment pas grand-chose. OK? Je le coupe. Ah, pour mes ciseaux. Pour ça. C'est pas mes ciseaux de couture. Comme ça. OK. Là, je prends un petit point de colle. Je vais tourner dedans. Là. Bon, c'est où? Les cheveux qui vont me sauter dans la face. Les voyez-vous, là? Allez, on va voir. Je les ai mis. Je les avais tantôt. Ah, ils sont là. Ils sont là, là. Ah, OK. C'est trop le bordel, là. OK. J'en prends un. Je plie mon ruban en deux. Je le mets comme dans le milieu. OK. Puis là, je le plie en deux. Pour que ça fasse ça. OK. Mais je suis tout brûlé déjà. J'en prends un autre. Je le mets en arrière. Puis je vais le coller en arrière de mon vœu. S'il peut me rocher. Bon, il est resté là. Bon, mes gars, on va le mettre ici. On va aller mettre mon ruban dessus. Hein, comme ça. Et voilà. Ça fait ça. Aimez-vous ça? Je trouve ça cute, un petit ruban comme ça. C'est trop long, on a un calcoupé. C'est tout. On va aller mettre des petits points de mousse là-dessus. Trois tendances. Voilà. Voilà. Tiens. Puis on le met ici. Comme vous voyez, il est un petit peu trop long, mon ruban. Je vais venir le recouper. C'est tout. Et voilà. On va aller mettre les bling-bling. Les petits bling-bling. Comme ça. On va en mettre un ici. On va en mettre un petit sur le vœu. Comme ceci. On va en mettre un autre ici. Tiens. On met une petite touche. Comme ça. En dedans, je vais vous montrer comment j'ai fait les autres. Je le ferai pas, là. J'ai été étampée en pétale rose. La carte. J'ai mis une bande de papier. Puis un papier 12, 3 par 4. OK? C'est le même que j'ai fait l'intérieur. Alors, celle-là, mais c'est ça, j'avais pris un carré. Celle-là, j'ai décidé de prendre des ronds. Puis
puis pas la même couleur. Hein? Faire des petits changements. Ça. Fait que je voulais vous que je fasse les autres ou je pense que vous avez compris le principe. J'aime mes papillons, oui. Merci Ginette. C'est ça, je voulais vous montrer les tests que j'ai faits avec ceux-là. C'est pour faire les deux autres cartes. Regardez, j'ai fait des tests. Regardez, je vais aller le faire. Je vais aller vous montrer comment. On va mettre ça, on va faire ça vite. La feuille, pour faire l'intérieur, puis le papillon. Comme ça. Regardez bien ça. On va le faire direct sur ma feuille ici. On va le faire avec Corail Calypso. Je vais vous montrer. Fait que je fais la feuille en un estampage. OK. Le papillon aussi. En contour. OK. Donc, on va puis ça, vous le virez de bord. Le sens que vous étampez, vous le mettez comme ça. OK? Ça, c'est plein. Il n'y a pas de détails. Fait que les détails sont là. Fait que vous le prenez. OK? Vous le mettez dans l'encre. Là, vous allez mettre une fois à côté. OK? Puis une autre fois. Comme ça. Voyez-vous? Ceux-là, c'est le même qui marche. Quand vous voyez que c'est comme ça, c'est le même qui marche. Les nouveaux que je viens de m'acheter, eux autres aussi, c'est le même qui marche. OK? J'ai hâte de les essayer, ceux-là. Fait que la feuille, c'est la même chose. Mais il y a juste ce papillon-là qui ne marche pas. Parce que c'est pas le même sens. Mais lui, j'ai été le colorier. Elle, c'est la même chose. Comme ça. Puis comme ça. Cool, hein? Oups. OK. C'est mon écran qui est capote. Attends. On va mettre ça ici. Il est lavé. Attends. Bon, parfait. C'est ça. Le papillon, comme je vous dis, celui que j'ai pris pour faire ça ici, bien là, on ne peut pas. Ça ne marche pas. Regardez bien, ils vont vous montrer pourquoi. Fait que lui, j'ai été le colorier avec mes blends. Je vais faire un étampage ici. Laver, on va le virer de bord. OK. Là, il est comme pas du bon bord. Mais là, c'est ça. Il faut que je trouve le truc, là. Regardez, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil pantoute. Voyez-vous? C'est vraiment pas pareil. Avec lui, j'ai été le colorier. Regardez, je l'ai fait avec tous ceux-là. OK? Ceux-là. Ça, ça marche. Ça va super bien. Les petits papillons vont super bien. Ceux-là aussi. Mais lui, j'ai été le colorier à l'intérieur avec mes blitz. C'est tout. Ça fait super beau pareil. Là. Parfois, je trouve la technique. Comment le faire? Et voilà. C'était ça, mon petit live de ce soir. Fait il va me rester deux cartes à faire. Je vais les faire, puis je vais aller vous mettre ça sur le groupe. Ah, c'est bizarre, hein, Ginette? Ouais, c'est bizarre. Ça marche pas. Parfois, je trouve le truc. Je vais aller checker ça sur Internet. Que c'est peut-être comme ça, mais c'est bizarre. Bizarre parce que c'est vraiment pas beau. Là. Ça dépasse de partout. En tout cas, moi, je trouve pas ça très beau. Mais comme tu dis, c'est peut-être ça. Bon, je vais m'informer. C'est sûr que je vais m'informer. Fait que je vais aller finir mes deux petites cartes. Que je prendrai pas plus de votre temps. Non, c'est ça, il est pas symétrique. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne marche pas. Il n'est pas symétrique. Alors, si vous avez aimé ma vidéo,
Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Puis, si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça l'avoir, ben partagez-la. Ça va m'aider à me faire connaître. Puis, ceux qui sont en replay aussi. Ouais, c'est ça, il n'est pas symétrique, c'est pour ça. Excusez, je suis en train de relire tous vos commentaires, c'est pour ça. Fait que c'était mes deux petites cartes que j'ai faites avec vous ce soir. Fait que je vais aller finaliser les autres. Puis, je vais mettre ça sur le groupe. Voilà. C'est ma façon de couper le papier. Ben, une façon parmi tant d'autres. Là, il y en a tellement. 6 par 6. C'est mes deux petites cartes. Ils ne sont pas pareils à cause du sens du papier. Faites bien attention avec votre sens de papier. C'est bon. Fait que, merci beaucoup. Puis, Maryse, bon retour au travail. Hein? J'ai vu ça là, dans ton live, que tu retournes au travail. Mon Dieu, déjà, ça a donc bien été vite. Hein? C'est fou comment tes vacances ont passé vite. Malade, le temps va trop vite. C'est fou. Alors, merci beaucoup, les filles. Attendez, je vais vous faire un petit coucou. Hein? Je vais tiens, bon. Et voilà. Ouais, vous voyez tout mon bordel. Bon. Voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vais aller continuer à bricoler. Puis, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Je ne sais pas à quelle heure, parce que à soir, c'était supposé être un cours que je donnais en Zoom, mais il y a eu des petits contretemps. Fait que j'ai pas pu le donner. Fait que ça va sûrement être lundi prochain. Fait que je vous reviens avec ça. Mon live va peut-être être un petit peu avant. C'est beau? Mais merci les filles. Puis merci pour vos beaux commentaires. Puis n'oubliez pas de partager si vous avez aimé ma vidéo. Puis si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Merci. Merci à tout le monde. Bye. Bonne soirée. À lundi.